Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade El Ahly Oui El Salam et bulletin d'information du club El Ahly en français que nous présenterons chaque semaine pour tous nos publics sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. El Ahly poursuit sa route vers le trio historique. L'équipe bat Aboukir 2-1 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Égypte. La blessure de Walid Souleymane menace sa participation à la finale africaine. Le retour de Annie Wagaye à l'entraînement et l'augmentation de ses chances de rejoindre la finale de la Ligue des Champions. El Ahly entre aujourd'hui dans un camp fermé en préparation de la finale de la Ligue des Champions africaine contre Zamalek. Le retour des prêtés en préparation de la nouvelle saison et Badr Banon participe à la formation. Les femmes de l'Ali ont couronné le championnat de basketball au Caire. Rénovation des portes du siège du club. El Ahly poursuit sa route vers le trio historique. L'équipe bat Aboukir 2-1 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Égypte. L'équipe première de football de l'Ali s'est qualifiée en demi-finale de la Coupe d'Égypte après avoir défait son rival Aboukir El Asmeda sur le score 2-1 lors du match tenu samedi soir au stade de Bourg El Arab. Les deux buts de l'Ali ont été inscrits par Walid Souleymane à la 15e et 26e minute alors que Kervala a marqué l'unique but de son équipe. Par cette victoire, El Ahly affrontera son rival El Ittihad Sakandari en demi-finale. Walid est blessé. Le médecin de l'équipe première de football de l'Ali, Khaled Mahmoud, a dit que le joueur Walid Souleymane subirait dimanche un examen médical. Le joueur a souffert d'une fatigue aux muscles adducteurs lors du match face à Aboukir El Asmeda dans le cadre de la 8e de finale de la Coupe d'Égypte, tenue samedi soir au stade de Bourg El Arab Alexandrie. Le médecin a noté que l'état de santé de Souleymane est stable. Annie et Agaïe reprennent l'entraînement. Le médecin de l'équipe première de football de l'Ali, Khaled Mahmoud, a affirmé l'amélioration de l'état physique du trio, Mohamed Annie, Ali Lotfi et Junior Agaïe. Les trois joueurs devront participer dimanche progressivement aux entraînements. Rappelons que Annie et Lotfi souffraient d'une blessure au genou et Agaïe à la cheville. Confirmé. Le directeur de football de l'Ali, Saïd Abdelhafiz, a annoncé que l'équipe entamera dimanche ses entraînements à huis clos pour la finale des champions de la CAF, prévue le 27 novembre face aux Zamalek. Cette décision a pour objectif de protéger les joueurs contre la propagation du coronavirus. Les prêtés. Directeur de football au club Al Ahly, Saïd Abdelhafiz, tient une réunion avec Salah Mohsen, Nasser Maher, Mohamed Cherif, Akrem Taoufik et Ahmed Yasser Rayan. Les cinq joueurs tiennent cette réunion avec le capitaine Saïd Abdelhafiz et l'entraîneur sud-africain Pitso Mosimane, l'entraîneur de l'équipe senior de l'Ali. Basketball femmes. L'équipe féminine de basketball de l'Ali a remporté la Ligue du Caire après avoir battu son rival El Ghezira sur le score 77-55 lors du match final tenu mercredi soir à la salle du stade du Caire. Les joueuses ont fait une bonne performance sous la conduite de l'entraîneur Ali Hachem. Ouverture de la porte. Le conseil d'administration du club Al Ahly, sous la direction du capitaine Mahmoud El Khatib, a participé à la cérémonie de l'ouverture de la nouvelle entrée principale du club Al Ahly à Ghezira après sa modernisation. La conception de la nouvelle entrée principale reflète la personnalité de l'Ali en concentrant sur la couleur rouge du club Al Ahly. Cette conception reflète aussi la continuité du plan stratégique élaboré par le conseil d'administration, dirigé par le capitaine Mahmoud El Khatib, dans le but de fournir les meilleurs services aux membres du club à tous les niveaux. Chaîne Al Ahly. Chaîne Al Ahly a remporté la première place en tant que meilleure chaîne de sport arabe au Arab Satellite Festival, qui s'est tenu lundi soir dans l'un des principaux hôtels du Caire. Le prix a été reçu par Mahmoud Adli, PDG de Life, qui dirige la chaîne, en présence de Mohamed Kamel, PDG de la société, et Iyab El Khatib, directeur de la chaîne. Myriam était avec vous. À bientôt la semaine prochaine au stade El Ahly. Oui, et salam.